Yo tout le monde, c'est Marco Bikenzi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur eFootball 2022 mobile. En fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, pourquoi pas, de faire une petite vidéo pour vous montrer comment entraîner ou augmenter le niveau des joueurs dans le jeu. Mais dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire ça rapidement. Et n'oubliez pas les gars, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien louper sur la chaîne. Et voilà les amis, on se retrouve dans le jeu. Et si vous voulez entraîner vos joueurs, vous pouvez faire ça dans plan de jeu et dans mon équipe. Maintenant, je vais cliquer sur mon équipe. Là, vous voyez jouer ici. Je vais cliquer dessus. Voilà ici, il y a tous mes joueurs. Et par exemple, hein, je vais entraîner Roberto Firmino. Si vous voyez, son niveau général est 80. Maintenant, je vais cliquer sur Roberto Firmino. Et je vais commencer par entraîner son niveau juste en appuyant sur entraînement de niveau. Et ici, vous pouvez utiliser vos points d'expérience juste pour entraîner tous les joueurs dans votre équipe. Et voilà, maintenant je vais cliquer sur procéder. Procéder. Et voilà, entraînement terminé. Maintenant, je vais cliquer sur Roberto Firmino à nouveau. Maintenant, le niveau d'entraînement du joueur est terminé. Voilà la partie la plus importante. Ici, vous voyez progression joueur. Là, vous voyez mettre style de jeu équipe. Je vais cliquer dessus. Maintenant, je vais utiliser des points de progression pour augmenter sa puissance et en jeu de possession. En contre rapide, sur les ailes, etc. Si vous voyez, mes points de progression sont juste en haut. Voilà, ils sont tous remplis. Je vais tout simplement appuyer sur continuer. Voilà, voir développement de joueur. Je vais cliquer sur procéder. Confirmer. Voilà. Maintenant, il y a une dernière chose à faire. Je dois cliquer sur statistiques du joueur. Et ici, je vais utiliser mes points progression juste pour augmenter les statistiques du joueur. Par exemple, je vais augmenter son niveau de tir, de passe, son niveau pour faire des dribbles, etc. Je peux faire ça plus rapidement en appuyant tout simplement sur recommander. Voilà, et maintenant je vais cliquer sur continuer. Et voilà les amis, et si vous voyez, en fait c'est très simple, je vais cliquer sur confirmer, procéder, voilà. Et maintenant je vais appuyer sur retour. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, le niveau du joueur est augmenté. Son niveau était à 80, maintenant son niveau passe à 87. Franchement, c'est pas mal. Et comme ça, vous pouvez augmenter tous vos joueurs dans le jeu. Et si vous voyez, son niveau d'entraînement est complet. C'est très important les gars, il faut améliorer vos joueurs dans le jeu. Ça va vous aider à augmenter le niveau général de votre équipe aussi. Je vais vous montrer ça. Et je vais directement dans plan de jeu. Et voilà la formation de mon équipe. Si vous voyez niveau de style de jeu d'équipe, en fait c'était à 69. Maintenant ça passe à 73. Franchement les amis, si vous voyez, c'est pas mal. Et comme ça, vous pouvez entraîner vos joueurs dans le jeu. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper sur la chaîne. On va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo.